Aïza bébé, Kéli Jamale, Kujamale, Kéli Kujama. Aïza bébé, Kéli Jamale, Kujamale. Ha! Mesdames et messieurs, l'émission a commencé. Fafa! Vous savez, ça dit, il faut innover. Je suis avec des messieurs qui font danser le monde entier. Pour les attraper, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, je les ai attrapés comme ça. Fafa, ça commence maintenant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous suivre. Vous êtes bien à l'émission Fafa avec le Daïri, votre homme serviteur que je suis. Voilà, c'est une histoire de Fafa, la seule émission où les vraies questions sont posées, où l'invité ne peut pas fuir. C'est comme ça, il ne peut pas fuir. Oh, ils sont trois. Ils sont trois. J'espère qu'ils ne vont pas regrouper ce mot pour me frapper, mesdames et messieurs. Chers fans de ces artistes-là, c'est le groupe Révolution. Voilà, je suis avec Révolution. Les gars, c'est comment? Ça va. Et ben, oui. C'est Révolution. Ça et ça, Révolution. Vous mettez Révolution. Ça fait ramasser toujours. Ouais. Et ben, oui. Mais attends, qu'est-ce que vous allez chasser, Zokora? Vous allez chasser? Non, c'est juste. Maintenant, on a pris que vous, le plus chanté, nous les chasser. Vous voyez, bon, on dit que vous êtes le petit des Eric Patron. Non, vous voulez faire un peu. Tu as commencé à bouger là. C'est le vieux père. Voilà. Le vieux père, tu sais, c'est un vieux. Ah, le vieux. Ouais, c'est même vieux. Vieux. Ah. Donc, quand c'est pas les. Quand là, il n'y a pas de concert, il se repose un truc. C'est ou pas? Mais c'est pas la même chose, tu vois. Ouais, voilà, c'est. Lui, il est encore frais. Ah. Voilà. Lui, il a besoin de beaucoup de repos, tu vois. Ah. Voilà. Ah, bah, mais non, vous l'attachez en dessous. Non. C'est un vieux mort. C'est un vieux mort. Donc, moi, on te salue, j'espère que. De toute façon, on fait un tour chez toi tout à l'heure. Bah, on sait jamais. Bah, les Zougoumans, ils chassent vite leurs camarades. Lui, il a du bon les chasser, il a du beauté. Alors, la rémorez-vous. Oui. Avant tout propos, j'aimerais vraiment vous féliciter pour ça. Mesdames et messieurs, ça, c'est l'album du groupe Révolution. Ça s'appelle Énergie, le tout dernier album. C'est une tuerie, je ne vais pas dire, c'est vraiment un album de très belle facture. Et félicitations encore pour le concert live. Tout ça, on va en parler parce qu'il y a des dessous du concert que nous on a appris. Bon, vous allez me dire si c'est vrai ou bien si c'est faux. Voilà, c'est important. Ok, alors l'arrivez-vous. Yeah. Moi, la première question que j'ai pour vous, je vais commencer par Sai Sai. Vous voyez, lui, il ne parle pas de tout, on va parler un peu. Sai, dis-moi, est-ce que tu peux relater rapidement votre parcours, c'est-à-dire comment est-ce que ça a commencé, cette aventure de Révolution? Bon, les gens le savent, la plupart des gens le savent, mais pour ceux qui ne savent pas. Mais il faut qu'on regarde ça jusqu'à Samatigui là. Samatigui là, mais c'est pas à propos. T'as vu le discard à la frontière quelque part dans les villages, on doit savoir. T'as Noachok. À Goubé. T'as d'accord, regarde ça. Dis encore. Voilà, bon, c'est un truc qui n'a pas été facile. D'accord. Voilà, parce que les deux petits là, ils avaient le groupe. Au départ, ils étaient deux. Mais voilà, il y avait le petit qui là, ils sont frères. Voilà, ils ont créé leur groupe. Et ils chantent. Le groupe s'appelait comment? Qui c'est? Moi, je sais pas. C'était déjà une révolution. Ils chantaient. Peut-être dans leur gamme là-bas. Et puis, bon, voilà. Ils ont montré Zokora. Moi, un jour, j'étais assis quelque part à ma cabine. Tu fais une cabine, tu appelles? Tu gérais la cabine. Tu gérais la cabine. Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de grand gérer la cabine. Il a là, les gars. Ils sont venus me blesser. Quand il passe, moi, moi, du matin, je fais ça. On peut là, ça me un peu d'une manière. Ah, ok, là, est-ce que dans les trois sons, les deux sons venus là, ça, c'est pas mon blague. Il a été parlé, genre, de toi, les faits. Vous avez le blague, non, ça. Ben, vous avez reçu, oui, ça fait, c'est grâce à lui. Voilà. Le blague, non, sinon, tu es là, on veut que. Alors, tu as volé. Tu verras le cabine, tu as une histoire, elle est là. Doré. Dans la ville. Ouais. Elle a ouvert 14 ans. Ouais. Il était le dernier pour le groupe. Voilà, on a commencé vraiment. C'est pas facile. Toi-même, tu sais. Même celui qui a donné la caméra, il sait. Le filmeur, même, c'est. On a voir le groupe s'est constitué. On n'a pas voulu forcément attendre que quelqu'un vienne donner de l'argent. On s'est tout de suite jeté à l'eau. On a commencé à faire notre truc un peu. C'est pour ça qu'on s'est fait remarquer. Et puis les gens sont venus de part et d'autre. Ainsi de suite, quoi.
D'accord. Pas même les derniers, tu nous as vu. C'est à la rue. Ah, viens, c'est comment, fausse. D'abord. Après, joue le morceau qu'on voit un peu, chacun a participé de sa façon. Alors, mesdames et messieurs, une petite anecdote avec les groupes Révolution. Moi, je les ai connus quand je bossais dans un maquis à la rue. Et Eric Patron. Dangereux DJ aussi. Eric Patron venait de les produire, en fait. Leur son. Eh, ma, tu donnes. Ils ont chanté aussi. Hein. Ah, non, c'est morceau, aussi. Hein, voilà. Donc, ce morceau-là, il venait de sortir. Bon, tu sais, quand tu es un nouvel artiste, tu veux connaître la gloire. Quand tu es assis, tu vois les autres. Tu as envie de connaître ça. Tu penses à ça et tout. Et voilà. On m'a remis le CD. Et eux, souvent, ils étaient là, souvent ils étaient un peu débarrassés, ça veut dire désespérés, tu vois. Donc de temps en temps, il disait, les gars, hey, les talents, ça fait manger à tous les coins, à tous les coins, vous avez bossé, rien à faire. Et moi, j'ai chargé le son. Très bien, c'est moi qui a fait que on le connaît aujourd'hui. C'est ça. Mais non, je dis ça, papa. Je dis ça, papa. Oui, papa. C'est moi qui ai joué le son. Et j'ai pas fait ça. C'est le autre maquis, il disait, hey, jouer ça, c'est nouveau, hein, c'est révolution, c'est bon. J'ai imposé ça à tous les autres. À tous les autres, DJ, pas bon. C'est le dernier. J'en profite pour dire merci aussi à tous les DJ. Ouais, vraiment. Tous les DJ de la rue Princesse, tous les DJ aujourd'hui qui sont, pour la plupart des chefs de cabine, pour la plupart aujourd'hui qui ont laissé même la nuit, qui sont aujourd'hui des chefs d'entreprise, tout ça, mais qui sont dans autre chose. C'est grâce à vous parce que voilà, on ne serait pas à ce niveau aujourd'hui sans vous. Franchement, en tout cas, le premier son déjà a déjà bombardé, quoi. Et puis on salue au passage le Chomba, M. Roland le Benguis. Le premier clip. T'as vu la vraie cette casserole bizarre, vous avez vu? Miss chemise cravate. Mon bébé, je n'en peux plus. Puis ça répond. Tu peux tout filmer. Mais en bas. Il y a quoi en bas? Laisse pas. C'est qui en bas? Soudain qu'on a sujet. Chaussure, elle a mis en bas. Le seul qui on voit pas en bas. Le seul qui on voit les têtes. Voilà, c'est ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça fait partie de ce liste pour vous présenter. Mais alors, ça veut dire que Révolution, vous savez, Révolution est partie de très, très, très. C'est vrai que ça a commencé en bas, quoi. Et puis aujourd'hui, Dieu merci, ça va. Ça va, Dieu merci. Alors, les gars, dites-moi, après, quand vous avez commencé à connaître le succès, bon, nous, on a pensé que normalement, Eric Patron, c'est vrai que c'est lui qui a produit ou pas, c'est vrai. Bon, et ça, il faut préciser. Voilà, vrai. Parce que, pour que ce soit clair, c'était un coup de com. Ah, et vous savez, Eric Patron, aujourd'hui, c'est l'homme à qui on va toujours dire merci parce que c'est notre parrain artistique à vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour nous. Nous a tendu la main au moment où il fallait vraiment que quelqu'un le fasse. C'est quelqu'un qui nous a permis de décoller. Et c'est une sorte de stratégie de com, parce que vu l'influence des patrons, le fait de dire, c'est comme nous aujourd'hui, quand les gens racontent partout que c'est nous qui produisons le groupe Bénédiction, c'est la même chose, c'est un coup de main, et puis c'est un grand coup de main. C'est un peu ça. Mais tu as la question. Quel est le père spirituel? Mais c'est lui qui a payé. C'est le père spirituel. Est-ce que c'est lui qui a donné l'argent à Pachi? Est-ce que c'est lui qui a donné l'argent à Roland pour le clip? C'est ça le mauvais savoir. Non, mais vous savez, Ramzi, ça revient au même. Qui a ça produit ça? C'est vous-même qui avez produit votre argent? En ce moment, elle n'était pas produit. C'était nous-mêmes. D'accord. Ouais, c'est vous-même qui avez financé le son. C'est nous-mêmes, voilà. D'accord. Et le grand frère, il nous a envoyé vers Pache parce qu'il a découvert que c'était un bon arrangeur et avec qui on pouvait faire un bon boulot. Voilà. D'accord. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Sinon, tu n'as pas encore dit qui a payé l'argent de la chanson. L'argent? C'est toi qui as payé. C'est comme un vieux père qui vient te dire, bon, petit, moi ce que tu fais, ça me plaît, il veut t'aider. Tu comprends? On arrive au studio. Actuellement, nous, on ne connaissait pas les grands arrangeurs pour dire que c'est quoi. Ouais. On ne connaissait pas le prix. Ah, elle veut dire, vraiment, voilà c'est que trouver un truc, quoi. Moi, voilà, on finit le mouvement. Voilà. Salut-moi. Voilà. Ce monsieur-là, il va trop en France maintenant, il est gâté. Hein? C'est ça. Il est tout gâté maintenant. Sinon, Eric, vraiment. On ne peut jamais lui pardonner ce qu'il nous a fait. Parce qu'il nous a fait du bien. Il nous a fait du bien. Vraiment, on lui en veut pour tout ce qu'il nous a fait de bien. Vraiment. Alors, les gars, dites-moi, aujourd'hui, là, comment est-ce que. Vous savez, quand la carrière a commencé à décoller,
quand ça a commencé à décoller là, et c'est toujours en l'air. Voilà, et que vous êtes retrouvé quelque part dans le sud en train de regarder d'autres artistes en l'air, est-ce que ça ne vous a pas poussé à avoir un peu la grosse tête quelque part, vous dire ah quelque part maintenant on va percer un peu tout ça machin, dis-moi, Prométhée, c'est à toi que je te pose la question. Mais merci pour la question, c'est une très belle question parce que quand on commence la musique, on prie pour avoir du succès. Et ce succès-là, nous, heureusement que on est un groupe qui n'est jamais satisfait. C'est-à-dire, ce sont les gens dehors qui nous disent que vous moussez, quoi, vous êtes des stars et tout. Quand on voit des fans, des gens venir faire des photos avec nous, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on est des stars, quoi. Sinon, nous, à notre niveau, on n'a jamais changé, on est toujours resté pareil. On a la même manière de vivre, les mêmes habitudes et tout. Bon, c'est vrai que souvent, je baigne un peu, tout ça, ça fait un peu changer, le choco un peu, ou bien le teint peut changer, mais le cœur est resté le même, on est les mêmes, que l'esprit est resté le même. C'est le même. Voilà, donc pas de grosse tête. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire ou bien partout, il y a toujours des gens qui vont critiquer. Il y a toujours des gens qui vont trouver que peut-être, voilà, tel jour j'ai vu Prométhée, j'ai vu ça, il avait pas, il m'a mal salué, il m'a mal répondu, mais il a refusé de me faire une photo, tout ça. Bon, voilà, ça peut arriver. On peut pas satisfaire tout le monde. Sinon, hormis ça, voilà. Hormis ça, tout se passe. Super. Alors, les gars, moi, je on vous taxe de couper des canets. Voilà, on dit que si on ne fait pas du zoublou, que vous faites de couper des canets. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Dans ce cas-là, quand on fait avoir de couper des canets, c'est ça, nous-mêmes, pas déjà. Déjà, nous-mêmes, désormais, ça. Même que Robin fait zoublou. Je lui ai demandé là-bas, il s'est fâché. Hein. Ah. Il a dit, mais Kérosène, toi tu fais Zouglou, pourquoi tu fais Zouglou? Il dit, non, lui il fait couper des calés. Il dit, non, mais tu fais Zouglou. Non, donc vous savez. Les calés, vous non, c'était ça, c'était Ramzi. C'est une belle question aussi. Parce que aujourd'hui, la musique est devenue universelle. Le Zouglou, quand nous on démarrait, le Zouglou était coincé dans une bulle. On se disait que le Zouglou, c'est seulement Piripara, Piripara. Ou bien la même manière de chanter toujours la galère, la souffrance et tout ça. Et même quand le Zoubloumane veut chanter la joie, c'est une rythmique qui est unique. Donc nous, ce que nous on a fait en tant que révolution, quand nous on a commencé la musique, on s'est dit qu'il fallait qu'on apporte des retouches, notre touche à nous, au niveau même des rythmiques, des mélodies, mais la manière de chanter reste Zoubloumane. C'est ce qui est important. C'est comme quand Kiff No Beat, ou la plupart des rappeurs de maintenant, ils font des chansons sur des rythmiques coupées décalées. Ça ne veut pas dire qu'ils font du coupé décalé. On peut emprunter un beat qui sonne coupé décalé, mais chanter Zoulou dessus. Ça donne quelque chose de nouveau. Ça donne quelque chose de nouveau. Et c'est ça, c'est une révolution. C'est vrai qu'au départ, dans le milieu Zoulou, on a été beaucoup critiqué. Mais en toute chose, il y a des puristes, il y a ceux qui sont conservateurs. Et c'est comme dans le coupé décalé, il y a d'autres anciens qui ont voulu que le coupé décalé reste toujours. Mais le coupé décalé d'aujourd'hui, c'est pas le coupé décalé des Doug Saga. Voilà comment le Zoubou a évolué aujourd'hui. Mais après, je pense qu'il y a plein qui ont fini par comprendre. Et toute cette génération-là, toute la nouvelle génération est dans ce style aujourd'hui. Après, on peut même faire du Zoubou sur du reggae. Soumbil fait du Zoubou sur du reggae. Espoir de mystère, c'est du Zouk. Mais la manière de chanter reste Zoubou, c'est ce qui définit la musique en fait. D'accord. Voilà. Mais est-ce que vous n'avez pas, est-ce que vous n'avez pas peur que ça, parce que vous aujourd'hui vous êtes les précurseurs d'une certaine vague. Ouais. Ça veut dire que vous avez créé un style de Zouglou qu'aujourd'hui beaucoup font. Moi je parle là, je parle d'Amaral, je parle de J.C. Curiel, je parle de Bénédiction. Voilà, ça veut dire que tout ce qui arrive là, comme tu as dit, ils vous ont emboîté le pas en fait. Mais aujourd'hui là, est-ce que vous n'avez pas peur que d'ici quelques années, ce Zouglou ce Zouglou qui nous a tous bercé là puisse disparaître? Parce que, ou bien, moi, on sait jamais, voilà. Parce moi, que aujourd'hui, certes, vous allez peut-être faire du Zouglou comme le vieux père, parce que pour montrer aussi que vous pouvez faire ça. Ouais, ce monsieur, je l'ai vu faire du Wayo en une émission, moi, j'étais étonné. Déjà, c'est un Wayo man. Il a fait du Wayo, moi, j'étais étonné. C'est un ancien coupé décalé. Ah. C'est un DJ que tu vois.
Ah, tu l'as vu faire du voyage. T'as la poudre d'un bas. Mais attendez, l'argent il a eu ici là. Sans nous. Mais attendez. Non, ça mais c'est rien. L'argent du coup. Répondez à la question du monsieur. Non, mais il n'a pas fini de poser sa question. Oui, donc comme je disais là, est-ce que vous n'avez pas peur que... Que cette vague la passe. Voilà, non. Non, que votre vague s'impose et qu'après le zigou que tout le monde a connu là, disparaisse totalement en fait. C'est à moi que tu as posé la question. Ok, d'accord. Quand d'habitude qu'on pose une question, ça a une manière de répondre qui nous plaît bien. Il dit, même quand tu prends un logiciel sur un ordinateur, un logiciel de 2002, ça change. Tu ne veux pas utiliser l'ancien Word qu'on connaît là, ou bien l'autre côté là, tu as voulu utiliser ça en 2018. Ton ordinateur s'est planté. Tu ne peux pas avancer parce que la musique évolue au fil des années. Moi, je pense que le mouvement dans lequel on est, qu'on a imposé aujourd'hui à la nouvelle génération, je pense que ça donne une crédibilité vraiment sincère aux Zougou. Parce que. Donc, je vais faire là, c'est pas bon. Tu sais, aujourd'hui là. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Même sur notre album, on a fait du Zougou. Sur notre énergie là. On a fait du Zougou. Brut même. Ancien Zougou. Zougou là même. On a fait sur notre album. Même le titre. Mais aujourd'hui là. Kelly, c'est un peu ouais, aujourd'hui là. Mm-hmm. La musique d'aujourd'hui se veut évolutive. Parce que il faudrait que le gars qui se retrouve au Tchad, qui se retrouve au Cameroun, qui se retrouve au Sénégal, puisse écouter ta musique et puis va aimer. Parce qu'on ne peut pas tourner en rond en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la nouvelle génération voyage. Quand tu vois un gars comme Yabongo aujourd'hui, le leader. Mais là, les enfants, là, même bénédiction aujourd'hui. Awaga. C'est pour dire qu'on ne peut pas toujours rester dans nos casseroles. C'est vrai que les vieilles casseroles font toujours de bonnes choses, oui. Mais il faut déjà évoluer, il faut goûter à d'autres recettes pour que la famille puisse aussi avoir quelque chose à manger. Mais qu'est-ce que vous dites que les vieux, là, les vieux là, qu'est-ce que vous dites que votre famille est aujourd'hui, même là, les cirs, là, sont en train de nous emboîter, mais pas. Moi, pour ajouter à ce qu'ils sont en train de dire, c'est très intéressant. C'est une belle question aussi parce que, en fait, on ne rejette pas l'ancien Zougou. Le Zougou même originel, on ne le rejette pas. Puisque, il y a des groupes comme VDA. Ouais. Quand vous écoutez VDA, c'est du Zougou conservateur, Zougou brut même. J'ai écouté leur voyage. Il y a des gens aujourd'hui qui aiment ça. Mais ce que nous on veut dire par là, c'est que, il y a 10 ans de cela, les enfants n'écoutaient plus du Zougou. Les enfants disaient déjà, dans les anniversaires des enfants, on ne jouait pas du Zougou. On devait le couper, décaler pour que les enfants puissent danser. Sinon, ça existait, Yodé Singo, Espoir Demi, ça existait et ils ont fait du bon travail. On ne rejette pas ça, c'est du bon boulot. Mais aujourd'hui, si Espoir Demi, si Yodé Singo doivent sortir, je pense que forcément ils vont s'adapter, sans forcément faire comme nous, mais ils vont s'adapter au rythmique modèle. Mais quand tu écoutes le missionnaire de Yodé Singo, c'est pas plus Zougou. Ouais, c'est un peu. Mais la manière de chanter est Zougou. C'est dans la tête des gens que souvent on fait ce genre de débat de qui chante Zougou, mais qui est Zougou. J'ai un truc dessus. C'est ce qui se disait. La musique aujourd'hui, si tu veux atteindre un objectif, une aussi, je pense qu'il faut ajouter le minimum de musique étrangère. Laissons-moi forcément faire le couplet décalé là. C'est ce qu'il a dit. Pour que nous on se lève pour aller chanter au Tchad dans un stade, si on n'a pas fait une rythmique ou dans laquelle les Tchadais. Voilà, c'est un peu. Ouais, c'est tu peux pas le faire parce que c'est le Tchad. Il y a un artiste comme Fally. Il peut chanter rumba comme d'habitude. Mais vous savez, le gars aujourd'hui il a coloré sa musique pour attirer d'autres personnes. À un moment donné, si tu veux faire ça trappe, ça sonne à fond. Si tu veux faire seulement que du puriste, c'est bien, c'est bon. On appelle ça bien. Ça va que pour tu choisis de faire ça que pour la Côte d'Ivoire. Il y a la folle. Mais quand tu vises loin, tu vises d'autres cibles, je pense qu'à un moment donné, essaie de prendre. Même si c'est 5% de ce qui lui plaît là, tu prends, tu mets dans ton Zougou. Quand le gars va écouter, à cause des 5%, il peut dire non, cette musique, je peux m'intéresser à ça. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, quoi, tu vois. D'accord, c'est super. C'est super. Ça veut dire qu'il faut évoluer avec son temps, en fait. Ouais, c'est son temps. Il faut évoluer avec son temps. Pour faire le midi, est toujours là. Je viens d'aller avant sa mort, il a traversé les Zougou. Même regarde notre titre Kelly. C'est un titre, à la base, il est Zougou. Si on n'avait pas imposé un nom, une couleur qu'on appelle Révolution aujourd'hui, avec un groupe qui a imposé son nom à l'international, qui s'appelle Magistère, on n'avait pas même à cette époque-là sorti une chanson qui est aussi posée en termes de tempo.
Kelly, c'est le morceau, l'un des morceaux les plus lents du moment, mais c'est l'un des morceaux qui mousse en ce moment. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est révolution, on sait que c'est Magic System. On revient à l'ancien Zoulou dans cette chanson, mais ne vous trompez pas, le pied de ce morceau-là, c'est un pied fort. Si on accélère légèrement le tempo, ça passe en nightclub en France. C'est stratégique. Donc, les gens font la musique pour faire. Mais attends, il faut évoluer. Il faut pas avoir peur d'essayer des choses. Ce que Kérosène fait, c'est du coupé-décalé parce que sa manière de chanter est coupé-décalé. Sa manière de chanter est coupé-décalé. Même dans son style, c'est son truc à lui. Sauf que ça choque certains parce que ça choque les gens parce qu'il y a trop les tests. Et puis il n'y a pas de parce que la plupart, mon ami DJ Arafat, il n'a pas peur. Mais c'est que Mola ne fait pas coupé-décalé. Qui ça, Mola? Oui, ça ne peut pas couper. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quel conseil, bon, si on dit conseil, peut-être ça serait un peu prétentieux, mais quelle idée vous pouvez donner à vos grands frères qui sont dans le Zoulou et qui aujourd'hui, c'est un peu chaud pour se relever, parce que chaque des morceaux, la question est même pas. C'est pas que tu penses que c'est chaud, tu m'as échevé là, c'est pas chaud. Hein. Non, je suis le porte-parole des mélomanes. Est-ce qu'il y a tant de... Mais pourquoi tu peux mettre ces mots et même conseiller à tu sais, moi, je peux dire quelque chose dessus. En fait, il faut savoir rester grand frère. Quand tu es ancien, tu es un dévancier, il faut savoir être dévancier. Et à un certain moment, il ne s'agit pas de faire la course aux albums ou bien forcer pour sortir des choses quand on n'est pas sûr. Moi, je salue toujours nos super grands frères, nos aînés qui sont venus ici. Je salue toujours des groupes comme Espoir 2000, les Patrons, les Molières, parce qu'ils prennent leur temps, parce qu'ils regardent l'évolution du mouvement avant de sortir quoi que ce soit. Ils regardent un peu les tendances avant de sortir quelque chose. Molière, il a adapté son album au temps, voilà pourquoi ça a pris. Il a adapté son dernier album au temps dans lequel on est en ce moment. Donc, si, ce n'est pas un conseil, mais c'est juste dire qu'il faut savoir rester grand frère. Et même, il faut savoir aussi assumer le manque d'inspiration. Parce que ça arrive à tout le monde. On ne peut pas être inspiré éternellement. Donc quand ça ne va pas, soit tu fais des best-of, ou bien tu attends. Tu fais des remix. Tu fais des gros remix. Donc tu veux dire quoi? On peut même inviter, en tant qu'ancien, des jeunes artistes, Zouglou du moment, à faire des featuring. Mais Marie, ça nous a proposé ça. Voilà. Sur leur album. Voilà. On a des projets avec eux. Projet avec... Mais c'était, vous avez accepté. Ah, c'est d'autres personnes. Qui nous a demandé? Les vieux pères du moment, ils sont... Exemple. Faut dire, mais dans l'artiste, faut dire un nom. Non, faut dire un nom. Non, je vais pas dire les noms. Faut dire un nom qui nous a apprécié. On les respecte. Mais en fait, ce qu'on a dit, c'est un appel. C'est pour dire que pour faire vivre une musique aussi, il faut des collaborations. C'est important. Bon, en tant que peut-être, on suppose que les garagistes ont toujours parrainé les leaders. Donc, en tant que garagiste, on appelle les leaders sur un son. Ça fait joli, ça appelle les nouveaux fans des leaders et les fans des garagistes. On a même un projet comme ça aussi avec les patrons. Les patrons. Voilà, il y a des trucs comme ça qui réveillent un peu les gens. Et nous, on peut intervenir sur une chanson des patrons. Ça appelle les fans. Ouais. C'est des petites choses. Ouais. Mais après, c'est bien, ça fait vivre le mouvement. C'est important. Voilà. C'est important. Mais les likes, le font déjà. Voilà. Ouais. C'est juste que peut-être nous, nos anciens, nous, nos vieux, peut-être, sans citer de nom, ils restent dans leur coin. Voilà, et peut-être qu'ils ne nous sollicitent pas, mais bon, peut-être ils ont leur raison. Parce que moi, je voulais même poser la question pour dire que même le coupé décalé, on les insulte tous les jours, qu'ils ne sont pas solidaires, ils font pas là. Mais au moins, il y a quelques futurs. Il faut des futurs. Mais pour les Zougoumans, il n'y a pas de futurs. C'est vrai. C'est à quoi que
vous vous détestez quoi. Non. Moi je comprends pas. C'est facile de faire une vidéo pour dire je soutiens le conseil de Bobien, je soutiens le conseil de Tic. Oh, c'est pas bien, je soutiens le dernier conseil, le dernier single de tel artiste. Oui. Et tu, mais tu as tout à fait. Oui, donc moi, en fait, moi je voulais vous poser cette question. Pourquoi est-ce que dans votre mouvement là, on dit qu'aujourd'hui le Zouglou est soudé parce qu'il n'y a pas de palabre dans le Zouglou. Mais pourtant, il n'y a pas de collaboration, il n'y a rien du tout. Hein? Si tu arrives dans une famille, qu'il n'y a pas de palabre, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup de problèmes dans la famille. C'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Donc il faut craindre le seul jour de palabre, le seul jour de rapport, c'est qu'il aura mort là-bas. Ah, c'est ça. Mais c'est pour dire que dans le Zouglou, c'est déplorable. Nous, plusieurs fois, on a proposé à des confrères, vas-y, tu mousses, tu es en bonne position en ce moment, nous aussi, on est en bonne posture. Et si on faisait un truc? Mais ça reste en causerie, ça reste en rigolade. Ouais, mais c'est vrai, c'est ce que tu as dit là. Non. Chacun va dans son coin. Là, il y a l'alcool. L'autre s'est dit quoi? Après, bon, l'autre s'est dit quoi? Peut-être qu'il m'a dit ça parce qu'il pense que j'ai la cote que lui en ce moment. Donc, il va venir pour parler de ma cote. Attends. Voilà. C'est juste ce genre de petites choses. Mais il faudrait. Aujourd'hui, nous, on invite tout le monde à s'ouvrir un peu. Il faut s'ouvrir. Et sinon, si nous-mêmes, voilà, ça ne nous dérange pas. On est en train de réfléchir ces temps-ci sur le fait même de pousser certains jeunes artistes Zouglou en posant sur une chanson Zouglou au moins, peut-être dans l'année, je ne sais pas, mais très bientôt en projet et tout. Donc, c'est des choses que nous, on n'exclut pas. Nous, on n'est jamais fermé à quelque chose. Mais voilà. Mais vous n'êtes pas fermé, mais aujourd'hui, là, avant, vous étiez des artistes, bon, je ne pas Ouya Ouya, et vous étiez des artistes indépendants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pourrais croiser, promettre quelque part. Ah, Joe, je sais que je fais mon truc. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Parce qu'on dit, il y a des blancs, ils sont quittés, je ne sais pas où là. Ils sont venus vous signer, mais aujourd'hui, on a des problèmes. C'est compliqué. Vous allez dire à un artiste ici, par exemple, je prends un exemple simple, un jeune artiste Zouglou qui vient, qui vous aime, il a fait le son. Vous, vous aimez le son. Nous avons envie de chanter dessus. C'est vrai. Mais il y a procédure derrière. C'est ou bien, c'est pas comme ça, ça se fait. Non, mais en fait, la procédure, c'est pour être un peu dans la légalité. Parce que comme tu l'as dit, les blancs, eux, sont comme ça, travaillent, laissent des signes, laissent des traces et tout. Sinon, les gars ne refusent pas de featuring ou bien pas que ce soit. Ah non, après, ils ont appris qu'ils disent que non, ça n'est pas connu. Ça dit même pas quoi. On vient de faire ce truc avec un jeune gars. Il n'est même pas connu. Il s'appelle Kidman. On a clippé, il est venu sur la clippé. Kidman, ça me dit quelque chose. Il est à l'homme. Ah, c'est un Nadia. Moi, il y a un Nadia. Voilà, tu vois. Donc, c'est-à-dire que si tu veux faire un feat avec Révolution, c'est quand tu nous dis, nous, on n'a pas besoin de toi, on te dit, voici le mail. Tu leur envoies le mail, tu envoies ta biographie. Et puis, eux, ils vont venir demander. Vous voulez faire. Ça dit, oui, on veut faire. Donc, quand on regarde en fonction de la période qu'on propose, là, il y a certains qui trouvent que l'histoire de mail, tout ça, c'est compliqué. Non, ils pensent quoi? Non, en fait, ils sont arrivés. Non, ils lui disent, envoie. Voilà l'Afrique. Sinon, Marie, je n'allais jamais faire foutre une haine. Pas eu à longtemps, ils sont là, chez les blancs là-bas. Il y a 10 ans, tout. Non, il y a 50 ans. Ah. Ils sont trop dangereux. Ils sont trop dangereux. Toute collaboration. D'accord. Parce que moi, je pense, à mon humble avis, pour quelqu'un que. Moi, je dis toujours aux gens que je suis l'un des rares DJ qui ne suis pas esprit coupé décalé. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé l'animation, le coupé décalé n'existait pas. Tu vois, c'était les Yusumba, c'était les Zoubou et tout. C'était le hip-hop. Le hip-hop était déjà mort depuis, tu vois. Mais le truc, c'est quoi? C'est que le Zoubou, nous, ça nous a. Étant DJ, mais le Zoubou, nous a quand même bercé, tu vois. Donc, moi, aujourd'hui, ça me fait mal de voir que tu peux comprendre que si c'est pas sur les sons patriotiques, ouais, c'est vrai. Espoir 2000 et Yodel Siro n'ont jamais, n'ont même pas un morceau ensemble. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous trouvez ça? Si on y a des, le pas passe pour bientôt. Ouais, c'est facile de vous asseoir, boire les bières. Mais on veut voir des featuring pour faire voler le Zouglou. C'est important. Là, Magic System a fait le featuring avec Révolution. Ils lui ont donné de la force. C'est-à-dire que quand on dit dans le langage du hip-hop, donnez-moi la force, là, c'est ça qui est là. Parce qu'aujourd'hui, Révolution était là. Mais ils sont là, ils sont sur là. Ouais, parce que je dis. Mesdames et messieurs, c'est l'émission. Là, là. Ouais, c'est l'émission. C'est l'émission Fafa. Les gars, dites-moi, aujourd'hui, là, aujourd'hui,
quelle orientation, parce que on sait déjà un peu l'orientation que vous voulez donner à votre carrière, vu les futurs avec My System, vu un album qui sort, vu voilà un concert très cher, ça on va parler ça tout à l'heure. Voilà, aujourd'hui là, quel genre d'orientation, quelle vision vous avez pour votre carrière là maintenant, parce que le gros concert est fini. Comment maintenant, qu'est-ce que vous préparez encore? Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on a réussi notre anniversaire, nos 10 ans de carrière, Palais de la Culture récemment. Un très beau concert, salle comble à 4000 places. Là, on prépare une tournée en Europe, début octobre jusqu'à mi-novembre. Et puis normalement, on doit aussi fêter nos 10 ans de carrière au Burkina, parce que c'est un pays où on est beaucoup aimé aussi. Ensuite, au Cameroun, certainement. Donc on est en train de préparer tout ça. Hormis ça, c'est la continuité. Il y a des clips qui sont en train de se tourner. Il y a des projets, des gros projets de singles, de featuring et tout en l'air que nous sommes en train de faire. Des gros featuring. Parce qu'après Magic System, il y a Costo qui vient encore. Donc c'est un peu sur tout ça qu'on est en ce moment. Parce que l'idée, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de continuer de grandir. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas encore arrivé. Il y a beaucoup d'étapes à franchir encore. Et puis, il faut qu'on réalise justement tous ces objectifs-là qu'on s'est fixés. Devenir un grand groupe à l'instar de Magic System en Côte d'Ivoire. Ah, ça, c'est votre but, ça. Mais Guy ne veut pas être Magic System. C'est notre. Voilà, on espère que c'est pas les tournées qu'on connaît là. Parce qu'on dit que les artistes ivoiriens, ils chantent dans les maquis et puis ils sont en tournée. Donc moi je sais pas. Heureusement aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, on ne peut plus trafiquer quelqu'un. Voilà, ah non, vraiment. Vous allez voir les images très bientôt. Et nous, on n'est pas à notre première tournée en Europe. Mm-hmm. Et puis tout le monde sait que Révolution, quand on va pas pour jouer n'importe où. Donc c'est intéressant. D'autant plus qu'on est chez Sony Music maintenant. Donc quand nous on voyage, on est booké à l'avance. Et puis on en profite aussi pour faire. Déjà réussi dans ce pays. On en profite pour faire un coucou à notre tournée officielle. Il s'appelle Vino l'ambassadeur, à qui on a profité. Ouais, Vino. Cette énième tournée là, c'est Vino qui est en train de caler les dates de la tournée et tout. Donc voilà, on est en train de se préparer pour ça. D'accord. Tu sais, il y a notre boss de Sony qui nous disait, quand vous arrivez à Paris, c'est vrai, faut pas jouer n'importe où, mais quand vous avez le temps, allez-y n'importe où. Allez vous promener. Voilà, c'est important parce que il y a des fans qui vont pas forcément dans les coins des blancs, dans les coins de, mais qui sont là, qui veulent, tu vois, il faut quand même garder ça. Donc on va aller soutenir des gens, mais nous on sera de l'autre côté. Ouais, c'est important. Ouais, parce que étant même là, quelqu'un peut-être quelqu'un qui veut organiser un concert pour vous, qui sait pas comment vous attraper, il peut être assis dans le coin là. Voilà, c'est là que vous sortez. Voici en même temps. C'est important de sortir, pas le fait. En tout cas, nous les Ivoiriens de la diaspora, quand on arrive, on est toujours avec eux. On est toujours avec eux. Voilà. C'est le plus important, en fait. Voilà. Nos premiers fans, comme d'autres artistes. Nos premiers fans, c'est les Ivoiriens. Qui font les directs, qui insultent les camarades là. Ils ne peuvent pas comprendre. Très bientôt. Quand on fait direct avec vous, c'est pour parler de notre vie. Oui. De notre. Voilà. Ça fait direct. C'est pas le. Moi, tu es chez toi, tu vas chez lui, tu ouvres. Module à tout ce qui doit lui. Tu peux même passer la direct. Alors les gars, dites-moi, l'album que vous avez sorti là, quels sont les échos c'est quoi les échos? Est-ce que l'album se comporte bien ou est-ce qu'il se comporte mal? Très bien. C'est l'album qui aura bientôt son disque d'or. Inch'Allah. L'album Énergie, parce qu'il est bien vendu. Il est vendu.
aujourd'hui, il est cherché, il est recherché. Et il l'a retrouvé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à partir de, du concert, la dernière fois au Palais de la Culture, qu'on a su que cet album, il était beaucoup aimé. Parce que sortir un album et puis juste 4 mois après, s'attaquer au Palais de la Culture, c'est audacieux. C'est un peu osé. C'est audacieux parce que ah, l'album là, attends, voici, il n'était pas bon. On n'allait pas au palais. L'album n'est pas bon. Puis, il nous invite au palais et tout. Et il compte sur quoi et tout. Mais on allait au palais et le répertoire qu'on a joué ce jour-là, il était à 80% composé de l'album Énergie. Et toutes les chansons, le public connaissait. Tout le monde chantait à l'unisson. Ça apprend que tu avais déjà sur la bouche. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce qui est intéressant. Donc aujourd'hui, on a un public qui connaît cet album, qui aime cet album. Et souvent, on est surpris de voir que c'est pas seulement Kelly, les gens demandent. Les gens veulent écouter tout. Titulaire, Macado, Selami, Destin, Kouman, tout ça. Les gens mais à propos de comme là, sur l'album, à propos des titulaires, moi j'ai vu les commentaires. J'ai vu le commentaire un peu. Vous savez, vous êtes mes amis, moi je vous suis. Hein? J'ai vu le commentaire un peu sur votre page, sur votre chaîne YouTube. Voilà, quand le titulaire est sorti, voilà, il y a des Nico même qui a insulté, qui dit mais ceux-là même c'est prendre. Voilà, ça veut dire qu'ils font des livres, ils encouragent même les hommes à être des djangou, à être des courants des jupons et tout ça. Quel genre d'inspiration vous avez eu? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu l'esprit de cette chanson? Parce que les gens disent que comme vous-même vous êtes des hommes à femmes, pourquoi vous avez fait des chansons comme ça? Sinon une chanson comme ça. Ben, en même temps, nous, on ne cherche pas loin. Nous, notre inspiration est pure, on regarde tout ce qui nous entoure. C'est en fonction de ça qu'on compose nos chansons. C'est comme Je bois plus, c'est comme toute autre chanson. On prend le vécu et puis on ramène ça en musique. Et puis c'est une chanson qui est comme, c'est comme une métaphore. C'est, on envoie l'amour, une histoire d'amour dans le football. Parce que les gens doivent retenir. Après, on se dit que tout le monde ne peut pas accepter et comprendre la chanson comme nous, et comme on voudrait que les gens comprennent. Les gens qui n'ont pas compris au départ, après, c'est peut-être des gens qui ont leur problème de foyer à la maison. Il y a des femmes qui veulent que les hommes soient parfaits. Bon, ça, c'est pas leur chanson. Il faut comprendre que le gars, il a des défauts, mais malgré ça, c'est toi qui es sensationnel. Il y a d'autres qui n'ont pas compris, mais il y a certains qui n'ont pas compris. En même temps, tout le monde ne peut pas aimer une chanson. Bien sûr. Alors, mais moi, j'ai dit que comme tu as parlé de Je bois plus, vous savez, c'est une causerie, hein. Parfois, c'est comme ça. Hein. Je bois plus, là. Moi, je veux savoir. L'inspiration de nous. Parce que cette chanson là, c'est vrai, personnellement, j'aime toutes vos chansons. Mais il y a deux chansons que moi j'aime personnellement. Mikina. Personnellement, il y a Mikina, ça c'est le number one là. Mikina, c'est le number one. Moi on pourrait tout faire l'évolution. Après Mikina, il y a Amour d'enfance, voilà. Et puis il y a le reste. Alors. Mais je ne bois plus là, l'inspiration est quittée. Parce que c'est un morceau. Dès que c'est sorti, ouais. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Non. Ça a pris. C'est-à-dire que ça a pris en même temps. Parce que bon, il y a tous les sous-là aussi à Abidjan. Donc les sous-là même sont rentrés dans le monde. Le monde même. Oui, les gens, ça dit que les gens sont rentrés dans le morceau. L'inspiration, comment est-ce que cette chanson est née? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? En fait, je me souviens que Prométhée était à Paris. C'est, nous, on a une manière de fonctionner. Quand tu as une inspiration, on a un groupe. C'est déjà, j'ai pensé à tel truc. Hein. Tu envoies aux autres. Tu dis non, ah bon, j'ai pensé à un refrain. Non, je tape, je me suis dit, puis il m'a appelé, après, il y a un refrain, il m'a fait une autre vocale. Je dis, c'est quoi? Et puis il a chanté. Et il a écrit, non, j'avais écrit un couplet, mais j'arrive à terminer le morceau. Parce qu'en général, c'est comme ça on travaille. Donc quand il est arrivé, on était en studio, on est allé chez Baby. On est allé chez Baby. Quand on a fait, il a posé le premier couplet et tout. Quand il a lancé le refrain, tous ceux qui étaient dans le studio, tout le monde criait au studio. Morceau qui est là. Non. C'est quoi ce titre-là? Il a pas mis pour sortir ça. Donc là, on a tué le morceau. Non, on a terminé le morceau là, vite fait et tout. On avait laissé ça en boîte. On a mis en boîte. Le morceau n'était pas prévu pour sortir. Pour préparer le concert d'ici août. Mais le concert qui a accéléré un peu le concert du 6 août 2016. Et puis on a bouclé le morceau. D'accord. Ok. Moi, ce que j'aime chez Révolution, c'est que bon, bah, c'est bon. Je veux pas être impoli, hein. Mais ça, c'est le papa. C'est comme ça. Hein? On dit Révolution. Il y a deux sur moi qui chantent.
il y a ces deux messieurs à côté de moi. Ça, puis les autres là, eux ils répondent seulement. Mais oui, moi aussi. Si vous vous aimez pas, on dit non, c'est les deux danseurs. Mais quand c'est les deux danseurs. Mais le problème, même savoir. Ils sont là, je vais poser la question. Comment est-ce que Révolution est goupille? C'est-à-dire que comment est-ce que vous travaillez quand vous êtes dans la marmite là? Comment est-ce que vous préparez la sauce? Ah, c'est à moi, tu peux bien danser. Oui, ça te peut. Moi, le danseur. Oui, ah, c'est pas moi qui dis, hein. Ah, d'accord. C'est les gens qui disent. Bon, oui, d'accord. On est quand même. Moi, en tout cas, moi, c'est un plaisir pour moi que deux chantent, que nous on danse et puis après on a le même jeton. Ouais. Ça fait plaisir. Vraiment, vraiment, les gars, merci pour la. Merci pour les chansons. Merci pour la danse. Ouais, et puis nous on danse. Non. Mais là, c'est quelque part, ça te gêne pas un peu. Non, tu fais une blague. En fait, C'est pourquoi il faut attirer l'attention. Parce que les Ivoiriens, tout ça. Non, les gens n'écoutent pas les albums. Ils n'écoutent pas tout. Sinon, dans tous nos albums, chacun dans le groupe a au moins une chanson. Mais tu dis, chante. Non, tu as déjà tué tout à l'heure. Moi, il écoute. C'est que moi, il chante. Oui, chante seul. Voilà, après, il chante seul. Là, tu veux dire, il chante. Bon, à la fin de l'émission, tu vas faire ton acapella. Mais le truc, c'est quoi? Tu dans le vieux même qui n'est pas là, la Zokora là. Grand chanteur aussi. Le vieux Zokora là. Grand chanteur. Ah, c'est lui en train de danser, c'est lui qui m'a fait. Grand chanteur devant le téléphone. Il faut que les gens écoutent. Numéro 15. Zokora. Zokora. Dagrou. Numéro 13. Détermination. Et puis, il faut dire que depuis mes premiers albums, jusqu'aujourd'hui, chaque membre du groupe a au moins une chanson. Un groupe. Est structuré, ouais. Tout le monde peut pas chanter. On est là pour ça, on est là tout pour ça. Tout le monde peut pas chanter comme ça, ça fait un désordre. Hip hop. Voilà. C'est pas YouTube. Vous choisissez de façon unanime et que vous mettez devant. D'accord. Pour regarder vous n'avez pas deux animateurs. Quand tu es fâché, je te dis. Non, il y a quelqu'un qui attrape caméra. Non. Le mot Rambi. Quelqu'un qui attrape caméra. Il y a un qui est là, il attrape sa barbe, il est là. Voilà, il est là. Et puis quand tu poses une question, mais c'est un groupe. Bien sûr. C'est on l'a pris, on l'a mis devant du petit. C'est toi qui es devant. Voilà. On s'assoit, on compose, on finit. Et chante. C'est comme ça. Il y a d'autres paramètres que moi. Il y a d'autres paramètres que moi j'ai. Il y a d'autres paramètres que Zoukoura j'ai. Il y a d'autres paramètres que. Ouais. Ça j'ai. Moi, il y a un peu que souvent quand les filles viennent un peu emmerder le groupe, c'est toi qui. Ouais, et si le groupe est allé. Non. Comme tu as bien parlé aux femmes, c'est toi qui leur dis non, ils sont occupés. Mais ça, c'est le travail de Zola. C'est pas le travail. Ah, c'est le travail de Zola. Ah, d'accord. Mais si tu veux me donner, si y a le jet dedans, c'est bon. Ah, d'accord. Mais après, tu es payé, tu payes ta maison. Ça, c'était un peu pour vous. C'était un peu pour vous. Tu n'as pas pour me deux chèvres là, c'est doux. Ouais, c'est vrai. Quand ça, chèvres là, c'est doux. Nous, on est content. Nous, on est là. Fille de travail, mais après, on fait deux juste. C'est bon. Ouais, c'est important. C'est important. Parce qu'un groupe, en fait, un groupe, ça fait structurer. C'est ça. C'est très, très simple. Moi, je vous ai vu plusieurs fois en live. Je sais que vous tous savez chanter, mais moi là, je pense que c'est dis. Mais que moi, il prend, on vous aime pas. C'est quoi? Puis on dit là, si il prend, puis il fait pas sortir. Mais pas dit que c'est ça. Non, moi, je sais, mais les autres ne savent pas. Il faut que vous expliquiez. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Voilà. Mais dites-moi, les gars. aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe dans les showbiz, au lieu dans les showbiz, tout ce qui se passe, les gens se plaignent de certaines cérémonies de récompense, les gens se plaignent aussi d'un certain désordre qui y a dans le Zougou et tout ça. Molière, quand Molière a sorti son album, il a été critiqué. Quand Yabongo aussi a sorti son album, il a été, on dit c'est pas chic, à cause de ça, ça marche pas. Bon, après, il a eu 10 dollars, les gens ont eu honte. Il y a trop de choses. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu du showbiz ivoirien, je sais que quelque part, ça vous fait un peu. Ça veut dire que ça vous gêne un peu quand il y a certaines situations. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Puis après, les autres vont se prononcer. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut d'abord connaître les Ivoiriens. Quand tu sais comment quelqu'un est, tu peux pas le provoquer. Et puis tu sais comment marcher avec. Tu vois. Bon, concernant les histoires de critiques, de telle affaire sortie, de son morceau, c'est même nous, on a fait ce notre album, les gens ont critiqué. Les gens ont parlé, non, ils pensent que quoi. Bon, ils nous attendaient en tournant, vu qu'ils nous ont dit quoi. Après, là, c'est naturel, sur nous, on va chanter quoi, après, je bois plus. Mais ils ont été servis. Non, ça, c'est voilà. Donc, moi, ce que je veux dire, les critiques, faut les prendre comme ça. Tu fais une analyse, et puis, il y a des choses, tu sais que si tu parles, ils vont peut-être trouver que tu en fais trop. Ouais, ils vont mal interpréter.
mal interprété. Ouais. Comme nous, on n'aime pas trop attirer la bouche des gens, nous, on préfère rester dans nos coins et puis travailler. Voilà, pour nous, c'est le plus important. Sauf si tu es venu nous chercher chez nous, tu as trouvé. Une fois que tu parles dehors, ça va. C'est lui. Je peux pas aller mettre. Moi, voilà, quand pas le bout, tu as dit, elle va sortir, c'est chez nous. Ça fait grand déjà. Ah, c'est pas faux.